Oui, 4-0, 4 buts inscrits en première période depuis le retour des vestiaires. Eh bien, Evian essaye de maintenir la baraque encore debout, si en baraque il y a encore, parce que à l'issue de cette deuxième période internationale sur les 400 minutes sur les jeux.
Temps additionnel. À la passe manquée de Mori, ballon récupéré par Sekou Keïta. Et la projection rapide vers l'avant avec Cédric Barboza en un contre un face à Souké justement. Non, le ballon est... Ouais. Cédric Barboza à pied gauche pour ce coup franc. Repoussé par Julio Tavares et repris un peu bizarrement là par Touré. Il est précieux, on l'a pu voir tout à l'heure dans le jeu aérien, notamment sur le plan défensif où il est intervenu. Une fois il a donné de sa personne en prenant le coup au visage. Il va frapper Soares. Ouais. Une deux en deux temps en quelque sorte. Bella. Même si la passe est manquée, je trouve que Bella a énormément progressé par rapport à la saison dernière. Et ce n'est pas du tout le même joueur. Les limites hein, de la jeunesse aussi, puisque Erwan Mahori va céder sa place, lui qui est derrière le ballon. Et qui essaye de suivre son vis-à-vis, en l'occurrence Lati Touré. Là, il s'arrache jusqu'au dernier moment.